Bienvenue à tous pour cette méditation spéciale énergie de feu. On va tenter de rallumer cette petite flamme, cette petite étincelle qui est en nous, qui parfois s'atténue avec évidemment les aléas et les expériences qu'on fait ici-bas. Et ici, on va essayer de la raviver, de la faire rayonner. On sait l'énergie du feu, c'est vraiment une énergie de joie, une énergie qui vient du cœur et qui nous pousse vraiment à l'action et à aller de l'avant. C'est aussi une énergie qui est reliée à nos organes du cœur justement et à l'intestin grêle. Donc on va ici faire un petit exercice qui va nous permettre de ressentir mais aussi de se faire un auto-soin pour raviver cette petite flamme. Alors pour ce faire, prenez quelques minutes pour vous. Allongez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Et nous allons commencer. Fermez les yeux et prenez 3 profondes respirations. Maintenant, frottez vos mains l'une contre l'autre et ressentez l'énergie qui se diffuse dans vos mains et la chaleur qui augmente. Maintenant, posez votre main gauche sur votre cœur et votre main droite juste en dessous du nombril. Continuez à respirer tranquillement. Profondément. Et imaginez une énergie chaleureuse passer de vos mains et emplir votre cœur et puis descendre jusqu'à votre ventre et le remplir d'une chaleur intense. Imaginez un feu ardent, vraiment. Une énergie forte, agréable. Ressentez cette chaleur qui se diffuse dans tout votre corps en passant par vos mains. Continuez à respirer. Et imaginez ce feu ardent et cette chaleur se diffuser dans chacune de vos cellules. Passe d'abord dans votre cœur, et puis dans votre ventre, et se diffuse dans chacune de vos cellules. Ressentez une douce chaleur qui vous envahit, et une lumière intense de feu qui jaillit hors de vous. Prenez le temps de ressentir cette chaleur et cette lumière vous envahir tranquillement. Continuez à respirer profondément. Et puis lorsque vous serez prêt, vous pourrez tout doucement reprendre contact et ouvrir les yeux. J'espère que ce petit exercice vous a plu. N'hésitez pas à le refaire toute cette semaine. Nous sommes dans un cycle particulier où cette énergie de feu justement ne demande qu'à vraiment ressortir, à rayonner. Profitons toujours de ces changements de cycle ici, avec une pleine lune en Lion, axe Lion-Verseau, qui vraiment nous permet encore plus de rayonner au monde, dans l'amour, la paix et la joie. À très bientôt les amis.